Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la sur un épisode de Fallout 4. Donc, on prend la suite du précédent. Donc, on va aller dans les rations, les fameuses rations inhérentes au donjon que nous avons réalisé dans le précédent épisode. Est-ce que c'est ouvert ici? C'est ouvert. D'accord. D'accord, bah c'est par là. Hop. Il y avait la tourelle là-haut, exact. Ça y est, je vois à peu près où est-ce qu'on en était. Hop. D'accord, et l'œil me suit. Ok, il est en mode détection d'ennemis. Pourquoi pas. Hop, on y va. C'est parti. Hop, sauvegarde rapide. Crac. Ok. J'ai repris le fusil de chasse. D'ailleurs, on va repasser avec l'arme normale. Enfin, entre guillemets normale, on va dire ça comme ça. Oula, il y a du piège. Ok. Bien joué. Ouais, de la musique. Alors, cartouche. Nanana, sous-vêtement long. Pourquoi pas. Ok. Ok. J'imagine qu'ils n'ont pas encore réussi à passer la porte. Ouh. On ira... Non, non. On n'ira pas voir tout à l'heure. Déverrouiller maître. Ah oui, je comprends. C'est trop bien protégé. Je comprends. En fait, pour ceux qui veulent le faire au moment du grand maître, ils peuvent passer par là. Sinon, tu peux te permettre. Il faut que tu fasses le grand tour, en fait, je pense. Il n'y avait personne. Il n'y a pas un truc sur le mur là, non? Non. Ah non, il y avait de l'eau, d'accord. Ok. Hey. Allez. Viens, ma poule. Plus rien. Qui? Bien. On a peur, hein? Y a de quoi? Il arrive. Kenigou. Aucun signe. Alors, c'est chaud? On pensait pouvoir se cacher. Non, non. Je me cachais. Pas pareil. Faut pas flipper pour rien. D'accord, tu le dis. J'aimerais fouiller mon ennemi, merci. Hop, on progresse. Hop, une porte à déverrouiller, pourquoi pas. Aïe! Allez! Hop!
C'est bon. Du psycho, une cachette de capsule, pourquoi pas. Circuit imprimé de qualité militaire, génial. Ici, rien du tout. Oreiller en paille, pourquoi pas. Je vérifie, j'ai rien oublié. Apparemment non. Il y a une tourelle. Ok. Non, pas cette musique. Pas cette musique. Hop, hop. Point américain, je vais le prendre juste pour voir ce qu'on peut mettre dessus. Boîte à outils déverrouillée novice. Hop, parfait. Ouais. Je vais pas le prendre. Il a l'air, il fait vachement mal, mais je l'ai pris quand même. C'est pas grave, c'est pas ce que je voulais faire. Alors apparemment, je suis pas au bon endroit. Je crois pas. On va regarder la map locale, mais elle est pas très précise du tout. Pas très précise du tout, c'est rien du tout de le dire. Elle est pas du tout précise en fait. Donc, là je suis allé là. Là. Là, c'est un cul-de-sac. Apparemment, il y a un passage sous l'eau. Non ? Ou au-dessus, peut-être. Plus au-dessus, apparemment. C'est ça. Hop, raté. Oh là là, je sens que ça va être chiant. Pousse-toi les chiens. Hop. Ok. Je suis prêt de pouvoir monter là-haut, je crois. Mais il y a un passage. Intéressant. C'est là qu'on va. Et je crois savoir plus ou moins par où il faut y aller pour y aller. Hop. Voilà, ça je prends. Pour la forme, on recharge. Je vois qu'on est en train de baisser niveau munitions de cette arme. Aïe. Génial. Donc est-ce que je dois comprendre qu'il y a d'autres mines, justement parce qu'elle est morte ? Non. Stealth Boy, intéressant. Ça vaut cher normalement. J'ai avec un dessin, ça vaut pas grand chose cependant.
Alors à mon avis, je suis là justement parce qu'il y avait le Stealth Boy. C'était que ça en fait. Bon. Ok, donc j'ai pas du tout le niveau requis pour ouvrir le machin. Merde. Oh, il est beau comme ça quand il vole. Hein. Alors. J'ai juste pas du tout le niveau. C'est dommage. Oh, pourtant ça avait l'air intéressant ce qu'il y avait dedans. C'est con, hein. Oh, il y avait un... Oh, le Fat Man que personne ne voit. Ah, ça me trouve le cul cette histoire. Ok, bon bah on remonte. Hop. Et on ressort. Bon bah tant pis. Je pensais trouver quelque chose de beaucoup plus intéressant. Erreur. Bon bon bon. Dommage. D'accord, alors on va partir toujours vers le sud. Mais pas trop, si possible pas trop. Alors si on va jusque là-bas, ça fait trop loin. Ou alors on se fait une mission. Qu'est-ce qu'on a? Parler à Preston. Ah bah merde, on l'a pas parlé. Hop. Bon, on va aller parler à Preston si on l'a pas fait. Ah oui, c'est pas un truc que je vais faire genre dans un épisode genre il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et j'ai fini par ne pas le faire du tout. Comment dire que j'ai dit? Oui, d'accord, ça je connais, ça. J'allais me la bouffer. Elles sont juste beaucoup moins visibles que dans le 3. Mais bon, c'est normal. Par contre, je suis curieux de savoir si elles ont vraiment cette texture-là en vrai. Parce que si elles l'ont, chapeau, il y a des objets qui sont beaucoup plus grands et qui ont des moins bonnes textures. Mais bon, c'est pas grave. Preston! J'ai dit Preston! Où est-il? Il est pas déjà à l'apéro ce matin? Oh putain. Faut pas le faire courir, hein, le pauvre garçon. Il en chie. Hein. Ça va, tranquille. J'ai éliminé les pillards qui persécutaient la colonie où vous m'aviez dit d'aller. Les gens de là-bas ont accepté de se rallier à notre cause. Excellente nouvelle. Un jour, on sera assez fort pour chasser ces ordures du Commonwealth une bonne fois pour toutes. Oui. Comme d'habitude, j'ai encore quelque chose à vous confier. On ah bon peut enfin commencer à penser à autre chose qu'à notre survie. On s'est tellement développé qu'on a du mal à communiquer avec toutes nos communautés. Le genre de problème que je suis content d'avoir. Et j'en ai la solution. Je crois qu'il est temps de reprendre le château. Ouh. C'était le QG des miliciens bien avant que j'en fasse partie. Il est bien fortifié, bien placé, et surtout, il est équipé d'un puissant émetteur radio dont on pourra servir pour communiquer avec tout le Commonwealth. D'accord. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Qu'est-ce qui est arrivé à ce château, s'il est si bien fortifié? Ça s'est passé bien avant mon époque. Mais on raconte qu'un genre de monstre est sorti de la mer et il l'a détruit. Mais s'il est détruit, on peut le récupérer. Beaucoup de chefs pendant la bataille. Et les autres ont dû se dire que c'était trop risqué d'essayer de le reprendre. Je me suis toujours demandé si la perte de cette station radio n'avait pas été le début de nos ennuis. Vous voulez que je rassemble des troupes d'assaut à proximité du château? Plus tard. J'y réfléchis et je vous... À vous de voir. J'ai une mission un peu différente à vous proposer. Nos éclaireurs ont découvert un emplacement prometteur pour une nouvelle colonie. Quand vous aurez fait le ménage, posez une balise radio pour prévenir les gens du coin. On ne tardera pas à voir une ferme se développer pour exploiter les terres. C'est comme ça qu'on regagnera le Commonwealth, petit à petit. Si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Le château, on va pas le faire tout de suite parce que je voudrais d'abord y être avant de... Je voudrais pouvoir le voir avant de... Comment dire? Le voir avant de... D'avoir à le déverrouiller, entre guillemets, pour eux.
Alors, allez au bureau de Piper, allez, nanana. Apporter du jet à Mama Murphy, tiens. On va aller le faire. Mama! Où es-tu, Mama? T'es dans l'or. D'accord. Bon, Mama. Tu me l'as demandé. Je te l'ai apporté. Hello. Grâce à vous, ça commence à ressembler à une vraie maison. Ouais, ouais, c'est cool ta vie. Allez. Mama Murphy. Vous avez de quoi me faire planer. Oh putain, t'as pas idée. Tenez. Tenez. Une dose de jet. Merci. Et maintenant, laissez-moi décoller. Preston n'a pas aimé. Aussi haut que la vision voudra bien m'emmener. Vous cherchez un homme. Il est en mesure de vous aider. Mais ce ne sera pas celui que vous attendez. Il est dans un endroit profond et sombre, entouré de gens qui n'ont que des intentions cruelles. Mais il y a un écho, quelque chose dans le passé qui pourra vous aider. Quand vous rencontrerez le gros et la femme en colère, dites-leur de se souvenir de la carrière et de Lily June sur les rochers. Ils vous laisseront passer, votre ami et vous. Oh là, ça m'a fait plus d'effet que d'habitude. Je vais devoir me reposer un peu. Ok, donc en fait, elle te balance des infos sur comment jouer au jeu à l'avance. Donc plus jamais je lui ordonnerai. Là, c'était une grosse déception. Plus jamais je lui en donnerai. Je ne veux pas qu'elle me spoil le jeu à l'avance. C'est pas mal, c'est rigolo. Mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Non, non, là, c'était pas drôle. Ouais, j'aurais dû faire attention avant, peut-être. Hop, le vélo. Ok. Voilà. Ça ne me plaît pas du tout. Donc on va retourner voir là-bas. On va aller voir les frères Bobrov et Abbott près du mur à Diamond City. Hop. Allée du Pendu, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Bah écoutez, on va y aller d'abord. Hop. S'il faut débarrasser des gens là-bas, on va y aller. Ah, intéressant. Intéressant. Un joli pins. Hein. Je serais content qu'ils vendent une boîte avec tous les pins en vrai. C'est vraiment une très belle boîte s'ils sont aussi beaux que ceux-là. Oui, d'une importante quantité de munitions, mais aussi d'une importante cadence de tir. Qui réduit très rapidement vos quantités de munitions. Oh putain. Oh, c'est intéressant là-bas. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics. Oh putain, j'aimerais, je viens de prendre 30 ans d'un coup là. Bancs publics. Je vais pas m'arrêter. Hein. En soutenant pas mal du regard oblique. Des passants honnêtes. En plus, c'est bien de chanter une vieille chanson française. Dans ces heures sombres. Ah bah non, il fait si clair en fait. Bon, je vais arrêter mes blagues moisies. Canigou ? Elle en a plus rien à foutre, ça y est. C'est rien à foutre. Bonjour monsieur. Oh, un chéri cola. Nuka chérie. Merci l'ami. Alors on est où vis-à-vis de ce truc là? D'accord, faut partir un peu plus à l'ouest. Oui, c'est là-bas. On va reprendre le fusil, hein, c'est pas grave.
C'est quoi ça? J'aurais dû lui tirer dessus. Il y en a un autre là-bas, non? Non. Alors. Continuons. Progressons. Avançons. Nope. Tu tires pas sur mon chien, on met où? Sac à merde. Ils vont tous venir normalement. Non, même pas. Ouvrez l'œil. Je crois que cette enflure a un stealth boy. Oh non, j'en ai pas. On va les maintenir au jus. Allez. Ça y est. Aucun signe. What? Je viens de défoncer la gueule à ton pote. Et tu oses me balancer aucun signe. Parce que oui, je cite. Hein. Allez, tu pendu. What? C'était quoi ça? Il m'a pété la jambe? Le robot Lazerotron de Robco a été vendu dans la... C'est là ma dernière sauvegarde? Je me sens con. Franchement, je me sens con. Allez, du pendu, on va la refaire. C'est quoi ce bordel? Quoi? T'as peur, hein? Quoi? Oh, je suis mauvais. Allez. What? Ah, il vient faire le tour, d'accord. Ah, je suis mauvais. Ah, mais non. Normalement c'est bon. Ouais, alors construisez la balise radio, je vais pas. Je vous la fous dans le cul parce que franchement, la dernière fois que je l'ai fait. Et puis construire une ferme là-dedans, Preston, tu t'es foutu de ma gueule. Hein. Ouais. Franchement, Preston. Non, j'en veux pas. T'as pas de munitions sur toi, mais tu servais à quoi comme garde? Un garde qui ne prend pas garde? Pour ceux qui voient la référence. Hop. Bon, normalement c'est bon.
Hop. Non, 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 je vais pas me refaire avoir. Je sais pas où tu l'as fait pop, jeu, ton truc, mais... Je te promets que... Je vais pas en construire une pour la peau du cul. Plastron en cuir, ça peut être intéressant s'il a poche. Moi j'ai qu'une armure en ferraille, mais bon. Ah non, il avait poche aussi, cool. J'avais déjà poche. Pas grave. Bah, je vais mettre la poche dans la poche. Hop! Ah blah, je joue comme un con! Voilà, j'aurais dû m'en douter. Joli. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un gros coffre. Alors, c'était mauvais bouton. Et je vais équiper celui qu'on vient de choper parce qu'apparemment il est meilleur. Et il a poche. Tu le dis. Hop. Ah, là il y a un bâtiment, une entrée dans un bâtiment. C'est pas grand chose, mais c'est présent. Ok. Alors j'imagine qu'il faut que je monte tout en haut. Parce qu'on a vu des trucs pour grimper. Il y a un panier de basket, c'est cool. La dernière fois il me l'a fait pop, donc il a pas intérêt à me la faire à l'envers. Carte. Donner. Hop. Faut que je la construise. Enfin, construise, pardon. Alors attends, qu'est-ce qu'il me dit de construire? Une balise de recrutement, mais ça coûte hyper cher à construire ça. Ah. Ouais, faut que je fasse attention là, comment la truc avait... L'interface avait bugué. Génial, en plus. Balise de recrutement, je peux en faire une. Génial. Tatiroua juste à côté de moi, c'est cool. On peut faire un petit générateur, génial. Bah écoute, on le fait. Hop. Et je sais, je l'ai entendu démarrer, mais je sais pas du tout où il a pop. Voilà. Je l'ai entendu démarrer, il a pop quelque part. Mais allez savoir où exactement. Apparemment à l'intérieur. Ça ne fonctionnera pas sans électricité. T'es drôle. T'es franchement drôle. Je serais curieux de savoir où est-ce qu'il l'a fait pop, tiens. C'est pas la première fois qu'il le fait. C'est débile, c'est ma connerie à moi en fait. Je l'ai fait pop dans le mur. Putain. Ah puis il est vraiment dans le mur. Ah bah non, c'est mort. Bah on reviendra. C'est cool.
J'entends que ça tire juste à côté, ben on va aller voir. Pauvre mec. Ma jambe. J'avais pas reconnu ce que c'était, mais oui. C'est une vilaine bestiole. Cricket et... Non, je veux pas la toucher. Un garde de caravane. Alors lui, il m'a vu. Moi aussi, je l'ai vu. Apparemment, nous sommes encore en danger. Hop. Faites quelque chose. Alors lui, je pense pas qu'il ait encore compris comment ça marche. Je te tiens. Oui et non. Trouvez-les. Ok. Si je l'ai eu. On va y aller au cac, c'est pas grave. Putain. C'était une Brahmaïne, nom de Dieu. Quoi? T'as déjà peur? Je vais t'arracher les tripes et en faire un collier. Pourquoi vous vous battez toujours? Saleté d'humain! Hop. Pourquoi? Parce que c'est en nous. Pas le chien. C'était vous ou moi? Tu ne toucheras pas mon chien. Alors, des capsules, des capsules. Plein de trucs moisis. Très cher à la revente, mais qui sont moisis quand même. Et vous, vous souhaitez toujours passer par là? Attendez, j'ai peut-être des choses à vous acheter. J'aimerais juste pouvoir descendre si ça ne vous dérange pas. Putain, mais je viens de vous sauver la vie pour être un peu plus reconnaissant. Oh! Mais il se barre, hein. Bonjour. T'es rien acheté mes flingues de gros calibre maintenant. Parce que je vous parie que vos ennemis n'hésiteront pas à eux. Qu'est-ce qu'il y a en vente? Que vous avez. Ok. Il y a ma garde du corps te pousse. Eh. Hey. Venez, venez, venez vous équiper. Bon, troqué. D'accord, voyons ça. Et les voilà. Ok, t'as des trucs La sulfate. Les balles explosent à l'impact et affichent 15 points de dégâts de zone. Ah putain. Et elle est silencieuse. Mais oui, bien sûr, l'utilité elle est où là? Ouh. Elle se vend 2000. Putain. La matraque KO. Ok. Super masse. Ok. La canne. Alors, cette pâteuse est carrément intéressante. Alors, j'hésite.
Non, je vais les garder. Oula, pas la bonne touche. Ok. 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 Je vais vendre toute ma merde. Les coudes de chien, je vais quand même les garder. Tous les trucs que j'ai depuis une chier de temps. Voilà. Voilà. Comme ça, je vais essayer de rentabiliser un minimum. Hop. Putain. Ça me fait tellement de mal de lui donner tout ça. J'utilise pas une Coca-Cola Quantum. Steam Pack, j'en ai combien encore? 40, donc c'est bon. Hop. Stealth Boy, j'utilise jamais. Quatre, voilà. Ok. Ok. Bon, ça me coûte quand même vachement cher. Hein. Non. Qu'est-ce que j'ai vendu? Nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai vendu? Feu de combat, je le rachète. Non mais oh. C'est bien mon couteau de combat, j'espère. Putain. J'ai un doute. Voilà, c'est ça. Hop, je lui revends ça. Voilà. Mais non. Voilà. Bon, maintenant j'ai une arme qui dépote sa maman. Hop. Alors, ok, elle est coulée. Sulfateuse. Là. Que. J'ai combien de balles? Une chier. Vendu. C'est une bilaine? Non, c'est une gentille. Intéressant. Traders, welcome the head. Garde de Diamond City quand on arrive à la porte en fait. Bonjour, un autre garde. Permettez, merci. Bouche d'égout des fences. D'accord, étrange. Un bonhomme mort. Une poubelle. Encore plus étrange. Ça va être un bon combat. Nina capsule, pourquoi pas. Tu es là, quelque part. Où t'as filé? Ah. What? Ah bah oui, c'est peut-être moi qui me suis tué en fait. J'ai pas le temps de... j'ai pas le temps de lire le chargement, ça avait l'air cool pourtant. Par contre oui, 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 il y a un... C'est pas si sécurisé que ça leur truc. Chercher Diamond City, il suffit de suivre les panneaux. Bon, Kanigou. Tu fais chier. Hop. Bout, bout.
Alors, où sont les autres? Ok. Bah elle est vachement bien cette arme. Elle est très 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 efficace d'ailleurs. Hop. Alors. Ah ah. Non non, elle est très 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 efficace cette arme. Appartement, j'aurais peut-être pas dû y aller. J'ai hésité l'espace d'instant des fois quand tu te téléportais dans Skyrim, quand tu faisais ça et que tu te déplaçais de la porte, il acceptait pas de t'emmener forcément. Je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Café? Qui c'est qui veut un café? Chut. 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 Y'a des gens. Hein? C'est quoi ça? Hop. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Par contre, où il était? Où il était ce con? Non, sérieusement, il était où? Pauvre bonhomme. Il est mort comme il a vécu, dans la peur. Les fences, donc non, là on sort. Là y a rien. Et devant, là on sort. Mais alors où est-ce qu'il était ce con? Mais c'est pas possible! Ou alors il a pop en bas, juste pour le plaisir de popper en bas. Hey. Lâche-moi, cabot. Très très bizarre. Très 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 bizarre. Alors? Alors? C'est bon. Hop. Je sais pas combien de temps dure cet épisode, mais il doit être assez long quand même. Hein. Can you go through? J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Une porte de garage. Stop avec une tête. Intéressant. Là, je reconnais. Là, je tourne autour de la ville. Là. Je reçois des mails. C'est d'une violence. Il doit y avoir quelque chose. Bon. Bah, retour à la maison. Cette fois-ci, on va passer par la bonne porte. Hop. On arrive dans le stade, chers amis. Hop. Allez. Parfait. Bon. Alors. Nous avons plein de choses à faire, plein de choses à voir. Oh, c'est on le boucher. Vend de la viande, c'est tout. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, ouais. Belle soirée, hein. Elle me parle mal, j'aime pas ça. Il doit y avoir un truc. Hein.
D'accord. Ne laissez pas le stress de la vie quotidienne vous tuer. Détendez-vous. Quoi, vous ne savez pas où vous êtes ? Je ne suis pas guide. Apparemment, faut monter. Alors non, faut redescendre. Bon, c'est bizarre. Apparemment, il y a quelqu'un qu'on doit aller voir par là. Au super salon, trouvez la coupe de cheveux de vos rêves. Trouvez la coupe de cheveux de vos rêves. Ok. La serre. Ouh, la serre. Ça peut être intéressant, ça aussi. Alors, où est-elle ? Derrière. Ou il, je dirais plus elle. D'accord, celle qui fait la peinture. Ne touchez pas à la peinture. Il, merde. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? C'est le mur. Le grand gardien vert qui nous protège de ceux qui nous voudraient du mal. Personne n'a jamais réussi à percer le mur. Le moins qu'on puisse faire en retour, c'est de veiller à ce qu'il reste en parfait état. C'est une bonne politique sur le pays quelqu'un. D'intérêt général, vous ferez le plus grand bien pour combler vos lacunes. Qu'en dites-vous ? De quoi s'agit-il exactement ? Vous voyez cette peinture que j'utilise ? Il ne reste qu'un seul endroit dans tout le Commonwealth où on peut en trouver. Hardware Town. Un magasin en ruine pas loin d'ici à l'ouest. Rapportez-moi un pot et je vous donnerai 100 capsules. Oh putain, 100 capsules, c'est tout. Demandez de l'argent. Seulement si vous me payez. D'accord. Je vous offre 125 capsules. Oh ! Plus d'argent ! Vous pouvez bien faire un petit effort, non ? Vous ne lâchez rien en affaire, vous. 150 capsules. Dernière chance. Si c'est pas rentable pour moi, je m'en vais. Vous me prenez à la gorge. 200 capsules, c'est tout ce que j'ai. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Hardware Town ? Pourquoi pas ? Les pillards sont installés là-bas, il y a quelque temps. Mais nos gardes disent qu'ils sont trop forts pour eux. C'est pour ça que je commence à être à court. Alors, ça vous tente toujours ? On va dire oui ! Il vous faut juste de la... Donc on l'a complètement escroqué. C'est bien aimable. 200 capsules la peinture. Oh putain. J'aime escroquer les gens. Enfin en tout cas dans ce jeu. Bon. Ça c'est fait. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce viriser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de l'Apéro. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour votre aventure. Et aussi un grand merci à GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Faut que j'y pense. C'est vrai que ils font des efforts de ce côté-là, c'est très gentil de leur part. Allez, salut les gens.